J'ai plein de jeux aussi à tester, dont j'ai reçu les clés. En particulier, j'ai reçu une clé pour Potion Craft. Donc on va streamer ça sans doute ce soir ou demain. Et j'ai aussi un autre jeu pour lequel l'embargo se levait le 19. Donc on va streamer des trucs très chouettes là. C'est les temps qui viennent. Il y a pas mal de jeux. On va Ça va pas continuer à essayer s'arrêter. de gagner régulièrement des clés aussi sur Dare and Drop pour avoir des clés à vous faire gagner sur le 24 heures. Donc ça va être chouette. D'ailleurs, en parlant de drop, je suis en train de chercher, mais je crois qu'il y a toujours des drops activés jusqu'à fin de la semaine. Oui, sur Don't Starve, il y a encore des drops, ouais. C'est bizarre parce que t'as pas le tag par contre. C'est parce qu'on l'a pas mis. Tag, drops. Normalement, il se met automatiquement quand tu choisis le jeu. Ah bah si, il est affiché. Drop activé chez moi. Ah bon, bah non, c'est juste Non? que ça s'est pas mis à jour chez moi alors. Mais si tu l'as, c'est ok. En tout cas, ouais, dans l'interface, ça a l'air d'être écrit. Non, moi je le vois pas, mais c'est mon Twitch qui a pas dû se mettre à jour. À plus tard, Audrous. Des bisous. À plus, Audrous. Si, si, ça tire. Faut F5, mais. Donc on continue aussi à mettre toutes les annonces, enfin à mettre toutes les vidéos rediff de Don't Starve, pour parler de Don't Starve, sur YouTube. Ça arrive à raison d'une vidéo par semaine, le lundi. Tous les lundis matin, retrouvez votre vidéo Don't Starve. Voilà, nos petites aventures Don't Starve. Il y a certains épisodes un peu plus palpitants que d'autres, on va pas se mentir. Mais bon. Ce matin, c'était palpitant, il me semble. Bon, a priori, le close n'est pas dans le truc à côté de chez nous, là, le Deciduous. Je crois que j'ai déjà posé la question l'hiver précédent, mais il y a une régularité, je veux dire, il pop toujours au même endroit. En fait, il a un certain nombre de spawners que tu peux boucher éventuellement en construisant une structure dessus. Moi j'ai Oui, mis mais des feux faut les dedans. repérer, quoi. Mais voilà, tu peux pas les repérer autrement qu'en attendant qu'ils pop et Et comme ça, tu peux forcer, si tu mets un feu de camp dessus, tu peux forcer le spawn sur celui que tu veux, ça, quoi. tu forces le fait qu'ils spawnent pas à cet endroit-là et du coup bah Ok. au bout d'un moment t'as plus qu'un seul spawner. Tu choisis. C'est un travail de longue haleine du coup hein. Oula! Il y a eu un massacre ici! Une petite vingtaine de spawns en général, ça dépend de la taille de la map, mais Ah oui, il y a eu des chiens, je pense. C'est passé. ça ressemble à ça, ouais. J'arrive. Tum, 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 T'as parlé tum, des nouveaux jeux? Mais à quand la fin de Subnautica? Alors, ça viendra, c'est sûr. Mais je saurais pas dire quand, pour l'instant. Mais oui, c'est au programme aussi, c'est la fin de Subnautica. Of course. En plus, j'ai bien envie de le finir, donc c'est même pas une corvée. C'est juste qu'il faut trouver le temps parce qu'en ce moment, bah, quand je stream pas, dites-vous que quand, pour l'instant, il y a que quand vous me voyez en live que je suis sur du jeu vidéo. Le reste du temps, je prépare le 24 heures où je dors. En ce moment, ma vie est constituée de ce genre de programme. Le 24 heures ou la sieste. Alors, en plus, j'ai eu la bonne nouvelle de découvrir avec ma chef aujourd'hui que j'ai encore plein d'heures de congé à prendre. Oh. Donc j'ai posé une vraie récup après le 24 heures et ça c'est plutôt cool. Tu veux dire que t'as posé la récup de la récup? J'ai posé la vraie récup du 24 heures parce qu'en fait j'avais, n'étant pas sûre de ce que je pouvais prendre ou non, j'avais gardé des demi-journées à travailler. Tandis que là, bah, j'ai posé quasiment 4 jours de récup la semaine où je reprends. Donc je travaille une journée.
Et la semaine d'après, je travaille 3 jours. Et la semaine d'après, 4 jours, je fais une reprise Progressive. progressive, exactement, avec des journées courtes. Enfin, je me suis fait un petit truc maison, un peu chill. Rumi, elle demande si tu travailles pas. Si, elle travaille, mais en dehors du travail. Oui, je parlais de mon temps libre, évidemment. Si, je travaille. Je fais mes heures. Mes heures pour payer ma retraite. Aujourd'hui, j'ai un patient qui m'a demandé pour quand c'était la retraite. J'ai dit, vous savez, j'ai l'air si vieille que ça. Sympa. Je dis, je veux bien que j'ai C'est le même pas masque. moi. Il me dit, oh non, je vous donne 42 ans. Je suis, ah bon, ça va alors. J'y suis pour rien, je ne l'ai pas briefé. Ouais. Après, je lui dis, vous savez, à mon âge, on pense pas trop à la retraite. Oh, merci, Géo, pour le resub. 4 ans de bonheur, c'est vrai, c'est vrai. Salut, 48 Géo. mois. Oh. C'est même plus que 4 ans. 4 ans et 2 mois. Est-ce que 48 mois, à cet âge-là, on continue Non, ça à fait compter les mois chez les enfants? Non, non, 48 mois, ça fait 4. Et merci pour les 12 fois. Ah oui, 4 ans. Ah ben, c'est moi qui. C'est la fatigue. Est-ce qu'un enfant, on continue. Merci pour les cheers. Est-ce qu'un enfant, tu sais, quand les parents, là, ils comptent en mois l'âge de leurs enfants, à Non, quel âge ça généralement, ça s'arrête? arrive à 18. À 18. Oh, moi, j'ai déjà entendu des 36 mois, hein. Ouais, 36 et 24, tu les entends parce que c'est des tailles de vêtements, mais généralement, après 18, tu comptes plus les anniversaires. En Par mois. contre, Neil, il me semble que tu as essayé de parler. Moi, je t'entends quasiment pas hein, quand tu parles. Il y a moyen de changer quelque chose de ton côté parce que. Allô? Ah, ok. Ah oui, on t'entend pas fort. Je peux essayer de monter le son s'il faut. Attends, je vais essayer de régler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, ouais, ce patient, elle m'a fait rire. Je lui ai dit, vous savez, à mon âge, on pense pas trop à la retraite, sinon c'est déprimant. On est un peu une génération qui s'attend pas trop à avoir une retraite. Quatre ans, le bébé entre à la maternelle, nous Mais dit-il. ouais. C'est la rentrée. Il est pas dans l'autre des sinus. 36 mois pour les interdits? Comment ça, les interdits? Ah, les interdits, tu veux dire alimentaires ou médicaments ou des trucs comme ça? Qu'est-ce que c'est le bruit qu'on entend? Il y a une bête qui. Logiquement là, c'est mieux. Si vous m'entendez là? Beaucoup mieux, mais Ouais. un petit peu, ouais. Ah, mais Faible. si, c'est la bestiole du jardin. Assez relou, elle. Ça en fait du boucan. Est-ce qu'on remettrait pas de la lumière dans les lampadaires? Mais on n'a plus de bulbe en fait. Je vais en récupérer quand Pas je vais dans un redescendre. bundle. Géo demande si du coup t'as regardé ce que disait ta caisse de retraite. Non, 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 non. Comme j'ai dit, je pensais ce que j'ai dit. À mon âge, on ne réfléchit pas trop à la retraite pour ne pas déprimer. Surtout que C'est étant. bizarre, vous m'entendiez en faible là. Attends, je regarde. Ah ouais, c'est Là, pour ça en fait. ça a l'air pas Ok, mal. là Après, ça va on être mieux. entend. Ouais, on entend un peu plus le vent, On va mais. voir. Je pense que si Bon, tu ça va rapproches être ton. mieux, mais. Si tu rapproches ton micro, c'est bon, hein? C'était un petit entre-deux éventuellement. On va Non, jouer les gens c'est ça va, il pénibles. a. Après maintenant, enfin, maintenant je peux te baisser, etc. Tac, là ça doit être bon. Après, je pense que ce que Spider essaye de dire, c'est qu'entre toi et moi, il y a un contraste. Parce que je gueule un peu. Oh, mais Et non, du coup, normalement, par c'est. opposition. Pas Non, c'est forcément bon tu là. gueules, mais c'est sûr que. Bah, surtout quand vous parlez en même temps, c'est. Yeah, c'est clair. On va peut-être l'avoir à 40 ans. Bah peut-être, écoute. Hein, l'espoir fait vivre. Bluff. Ah, pardon. Non mais. T'as fait tous les biomes, Spider, pour autre chose? J'ai fait les deux deciduous et voilà, je suis en train de faire le. Ok, je vais essayer de chercher aussi dans celui-là. Ah, faut préparer l'histoire des. Attendez. Je vais préparer un bâton.
de magie pour les pour les serres. Je vais te téléporter? Non, pour les geler. Ah, les geler, ouais. C'est pas mal. On n'a plus qu'un bâton à 100%. Ah non, ça doit être une pile, comme d'hab. Vous me trollez, bah ouais. Hop. Vachement plus drôle comme ça. Bah oui. Non mais du coup, on a deux bâtons à 10, un bâton à 20. Ah oui. Non, c'est pour ranger. Et un bâton à 100. Donc là, je pars avec 140%. 14 d'utilisation, ça va. On l'aura tué avant. J'ai pas besoin. Est-ce que je clip ce moment? Ah oui, mais en fait, t'es en train de. tu veux dire qu'on annonce. Non, je te laisse finir de ce côté-là et puis je vais de l'autre côté. Tu veux dire que c'est une annonce optimiste, c'est ça? Que tu veux dire? Je sais pas, tu sais bien, je connais pas le jeu. Je vais poser ça et ça. Après, donc, là, les cailles, tu me confirmes que je peux la laisser par terre. Ça, y a rien qui la bouffe, qui la. Elle est là. Ah, c'est bon. Et au milieu de où on s'est séparé. Faut qu'il y ait quelqu'un qui reste à côté, tu veux le faire ou je le fais? Si, ouais, tu. Pourquoi ouais, faut tu rester à côté? Les clés elles sont là, je pense. Et on a besoin que d'une. Il me faudra du bois vivant aussi si vous avez. Ah, mais j'ai pas de l'inertie non plus. Du bois vivant. Moi j'ai sensiblement de quoi faire les deux normalement. Enfin, j'ai 11 bois vivants à vous ramener si vous voulez, mais j'ai pas de Nightmare Fuel. Ouais. Ouais. Moi j'ai 28 Nightmare Fuel, 16 Living Lock, je pense que c'est large. Des armes et des armures. Donc, éventuellement si t'as un peu de place. Alors des armures, je peux faire 4 casques éventuellement sur place. Et ce serait peut-être armure, ça va. Ma chanson de heal peut-être. La chanson de heal. C'est laquelle? Elle s'appelle comment? Earthrending, Bel Canto, Clear Minded ou Startling Solo Lucky? Première, je pense. Earthrending Ballad. C'est celle-là. Ouais. Je prends une de Life Giving Amulette. On va pas mourir. Ça grince chez Neil? Il y a un truc qui grince chez toi, Neil. Non? Non, c'est ouais, en fait, on entend le jeu, je crois pas. On entend pas du micro, ça. Ouais, ça doit être le jeu qu'on entend, ouais. Alors, pour information, Rumi, elle nous annonce que 4 ans, c'est aussi les noces de cire. Donc, si tu veux envoyer une bougie à Geo, Kier, c'est bon. Une bougie de cire d'oreille? Tu fais ce que tu veux. La bougie collector. Alors, je viens avec un antler. Je viens avec des bâtons de givre. J'ai deux armes. Non, mais deux armes, ça suffira jamais. Tu me feras une Dark Sword aussi? Ah, il faut des Dark Sword. Oui, j'ai que deux. Des Dark Sword, déjà, quand tu et j'ai que deux casques aussi. C'est pareil, c'est pas suffisant, deux casques. Si, ça va, deux casques, c'est bon. Deux casques, c'est bon? Ok. Fais confiance. J'en ferai. T'as de quoi faire de la lumière? Vous avez de quoi faire de la lumière aussi? Il y a un Star Color sur place. Lumière, ouais, j'ai toujours mon. Ok. Bah, il faut que je mange et j'arrive. T'as l'habitude de le faire en choper. Je veux dire que tu vas dévaliser le frigo? Exactement. C'est la signification de il faut que je mange. Geo dit une bougie de cire d'oreille, ça fait très écolo. Bah oui. Et alors, Rumiel, Decidius. Pardon. Decidius Biome. Il est tout en bas du mosaïque. On entend trop en fait. Comment c'est possible? Ouais, on entend tout. On entend trop. Peut-être t'es sur un casque? T'as des écouteurs, casque? Si t'es sur haut-parleur, c'est normal qu'on entend tout. Ouais, c'est sur haut-parleur, mais normalement c'est censé être réglé. Surtout pour si, tu l'as, si tu l'as increase, c'est normal qu'on entende tout. Si t'as augmenté pour qu'on t'entende. Et donc Rumia disait qu'il a travaillé dans une caisse de retraite et tu peux prendre ta retraite quand tu veux, c'est juste que tu gagnes pas beaucoup. Ah ouais, tu gagnes même pas grand chose, non? Je crois que ça te permet pas de vivre. Oui. Ouais, c'est ça. Non, mais faut que je gagne au loto ou alors que la Fire Corp décolle d'un coup et que. Voilà. Sans avoir besoin de travailler, c'est de mieux, ça serait l'idéal. Alors, t'as déjà tes esclaves, donc finalement. Ouais, non.
Alors, où êtes-vous? Je suis actuellement en train de descendre. Je suis dans le cimetière. Par rapport au cimetière, vous êtes encore plus au sud? C'est tout au sud, juste à côté du... Juste à côté du... Wormhole, ouais. Du Wormhole. Ok. On passe à aussi. J'arrive. Il y a des trucs marrants à faire avec ce mode, en vrai. Au niveau des fantômes, surtout. Enfin, quand t'es un fantôme. Vous avez un star color, vous avez dit? On est en orbite là autour de l'autre. Ouais, ouais. C'est... T'as faim et froid, non? Oh. Après, si tu prends un mec qui a pas le mode, après, c'est trop drôle. C'est bon. Ça. Et merci. C'est tout. Petite Dark Sword. Ça. Ça. Et ça. Et GG okay. Comet pour ton drop. Hey, GG Comet. Skitter Squid. Oui, la clé elle est là. Il est où le coffre? Ah ben, derrière l'arbre. Choupette, pas maintenant. Attention, c'est parti. J'en ai pris qu'une, hein. Ah, il le blâ. Alors attendez. Raté. Joli jeu de la soisson. J'ai tenté, mais j'ai raté. Ah, le prochain, c'est pour moi. Tadam! Faut bien que j'y arrive de temps en temps. Vas-y, vais. Faut pas s'énerver comme ça, monsieur. Je vais prendre la collective en plus. On va voir pourquoi je suis dans la collective. Enfin, il y a plein de merde là en fait. Ah non, 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 pas là! Oh. Ah non. J'ai fait un détour, débilos que je suis. Il y a tout qui prend feu. Le bundle, le bundle, ouais, j'allais dire le bundle, il y a quoi dedans? Oh, oh, oh. Pour vider mon inventaire, il y a 2 stacks de bois, des câbles, des os. Je peux le ramasser s'il si faut. Hein. Ah bah il a brûlé? Je le vois plus. Quelqu'un l'a ramassé? Ah. Ah pardon, c'était mon tour. J'y arrive pas. Hein. Je suis désolé. Ah, je sais pas, je le fais pas trop. Après, c'est une technique intéressante, mais c'est vrai qu'en l'esquivant, c'est bien. En fait, le souci de cette technique, c'est que comme il alterne chaud-froid, Trad qui vient en solo en fait. Si tu perds pas de tempo, en fait, bah, il te réchauffe et te refroidit, ça fait pas trop d'HP. La défense. Ah, attends, tiens, tiens, tiens. Merci. Par là. Mince. Ça... What? Trop tard. Ah, désolé. Non, c'est moi, je me suis pas barré assez vite. Ah, oh, j'avais annoncé une mort au dernier live, finalement je suis pas morte, on meurt là, c'est pour... Oui, oui, oui. Et que Spider qui est mort sur le misère. Attention à ce que mon stuff prenne pas faux si misère, possible. Ça envoie. Ah non, pas maintenant, me tue pas. Oh putain. Ah non! Attendez! Si. Ouais, fallait prendre le casque en premier peut-être. Ouais, j'avais ramené une deuxième amulette mais je la vois plus. Quelqu'un l'a ramassée? Je l'ai pas ramassée en fait. Bon bah du coup si vous pouvez ne pas tourner autour de mon cadavre pour que mon stuff prenne pas feu, ça serait royal. Gérard, tu l'as pas récupéré non plus, Tarlif là? Il est tombé. Giving. GG.
Ah ouais, mais là, tiens, je te donne la mettre. Merci. Ah non, non, mais c'est pas celle-là que j'avais ramenée. Je sais pas où elle est. Le custom, peut-être que mais... je l'ai laissé bon, dans mon sac. Ah, non, même pas. Okay. Ah ouais, ouais. Avec une dark sword. Okay. Bon, pas de l'arme. Ah ouais, tu veux. C'est avec les modifs qu'ils ont fait, mais ça. Voilà, alors ça, on me dit deux casques ça suffit, et ben deux casques ça suffit pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, ça a pas suffi. Moi, ils étaient pas à 100% aussi. Je sais pas. C'est de la mauvaise foi. Non, ils étaient pas à 100%. Ça, ok, ok, j'admets. Toi, faire de la mauvaise foi, c'est pas mon genre, voyons. C'est de ouf. Jamais. Alors, En plus, du coup, j'ai toutes mes âmes qu'on drop. Oh là là. Je mange la mythe, tu rigoles. Ah, je prends cher quand même, c'est un peu encore. J'ai l'habitude que ça m'enlève pas mes HP. En fait, si. Bah, si on tue des trucs, je pourrais vous heal. On est tout bon là. Retour à la maison. Cadeaux, bon j'ai pris les 4 cadeaux, ouais. Ok, et eh ben allons-y alors. Je suis Spider. Et ce trou de verre là, il mène où? Je sais pas trop. Au nord du roi, du biome du roi cochon. Bah du coup c'est plus rapide ou pas pour rentrer non? À peine. Je teste, ouais. Je teste. Premier arrivé à gagner. Dit-elle en partant 2 minutes avant tout le monde, tout va bien. Ah non mais du coup vous avez pris le même... Ah bah oui. Non, le but c'était qu'il y en ait qui prennent le chemin réglo. Ouais, pas si loin que ça. Et de faire le point. Et Flemar nous aussi hein. Ah oui j'avoue c'est pas forcément plus près. Ça va. Bon, close, close. Je pense que ça l'est, mais que ça mérite pas forcément 15 de sanity, quoi. Oh. Ah, j'ai besoin de faire la sanity. Je sais que la santé mentale, franchement. On a pas rappelé. Ah, j'ai jamais récupéré mon tamo, du coup. C'est le printemps, là? Déjà? Ouais. C'était le premier jour du printemps, ça. J'allais dire pourquoi ma lampe fonctionne pas, mais en fait, c'est parce que j'ai plus de. J'ai pas de sanity. Ah. Ah, peut-être que ça serait bien que je récupère l'orbe aussi, qui est arrivé à l'entrée de les, des mines. Bah, ouais, sur... je la ramène. C'est ça, parce qu'on ferme les campus ou pas du tout? Bah, qu'est-ce que je préfère? Je pense que je préfère faire le Malbatros, parce que je l'ai jamais fait. Okay. Mais je sais pas comment on farme le Malbatros, donc... Ouais, ça va bien. On a juste à prendre un bateau, se balader, puis on va peut-être tomber dessus. En fait, il y a des spawns. C'est un peu comme le. Sur Shipwreck, il n'y avait pas un monstre comme ça aussi? Il y avait des spawns? Bah, des spawns, non. Sur Shipwreck, il y a les boss aquatiques. Soit tu les fais pop avec un filet. En plus, il n'y a pas le Tiger Shark, il n'y a pas un spawn précis. Si, il a une maison, mais il a une île carrément. Ouais, ouais voilà, bah, c'est un peu comme ça, sauf que c'est que sur l'eau. Donc on cherche une île à Malbatros. Sauf qu'il y en a plusieurs en fait. Ah. Non, on cherche pas une île, on cherche un spawn. En fait, en fait c'est 3 poissons. Ouais, il y en a plusieurs. Aussi, ouais. Est-ce qu'on en aurait pas déjà révélé un? Si, puisqu'on l'a trouvé en allant vers le couac là. Enfin, ouais, vers le... mais vers le Crab King, je le vois pas justement. Il doit être dans une zone qui est encore... Ah parce que c'est une zone qui est visible sur la map normalement? Ah bah si, tu vois. En fait, tu vois, juste à droite de l'ouverture, il y a 3 poissons. À droite de l'ouverture du Crab King. Ouais. Poisson dessiné dans l'eau, ben ça c'est un spawner à Malbatros. Faut se mettre... En fait, il est à 1, en gros il y en a 5 sur la map, il est à 1 des 5. Il faut les tester quoi. Déplace de l'un à l'autre, et alors soit tu te mets à l'un et tu l'attends, soit tu te mets à l'un et tu pêches. Alors il y en a un autre. Soit tu t'y mets et tu pêches sur place, et si tu pêches sur place, ça. Est-ce qu'on fait celui qui est à côté du couac ou est-ce qu'on. Parce que j'en vois un autre là. Sur ma map à droite proche, là. Et puis on pêche, hein, moi je propose après. Ok. Et il faut faire quoi pour préparer le Malbatros? Ouais. Très bien, c'est de choper une Wither Pain. Ah, on en a une. On en a, je sais pas s'il en reste beaucoup. Dans le bundle que j'avais, il y a une corne de gazelle là. On craft une autre. Donc. Enfin, les Wither Paint c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment pour assurer le coup pour les drops en fait. Ouais. Ah, on a plus beaucoup d'os.
Il y en a deux dans la... Je viens d'en trouver là. Que je vais faire, si jamais ça vous intéresse. Donc les plumes de Mosgoot. Bon, c'est pas très grave. Deux, ça suffit largement, je pense. Ah, je vais ouvrir quand même le... Ah oui, les plumes de Mosgoot. Parapluie, parapluie. Pourquoi il faut des plumes de Mosgoot? Pour créer les Weatherpain. Mmh. Les Weatherpain, ça va être une technique qu'on va utiliser, mais elle est pas indispensable. Après, on devrait réavoir rapidement des plumes, là. On est en pleine dans la bonne saison. Ah, oh, c'est bon, on en a pas besoin de plus. Ok. Deux, ça suffit large. Est-ce que j'ai le droit de manger les sweet pierogi? Ouais. Avec du heal, c'est pas mal pour le boss, il tape quand même super fort. Alors on a un mât de plus aussi, si on veut vraiment assurer le coup. Dans le coin, n'hésite pas à venir. Je vais ouvrir les lots. Mer fuel avec moi là. Ouais. Ah ouais, j'arrive. Les chiens. Ouais. T'es en amulette là ou t'es en... Allons, on se décale tout doucement vers la zone de piège. C'est bien parce que j'avais plus glace. Beaucoup d'âme. Donc pour le mal de tross, il faut impérativement soit un bâton de glace. Non, pas tué. C'est les chiens de glace. Bâton de glace, on en a encore parce que j'ai pas réussi à les utiliser. Mais les chiens de glace. Oui oui, mais ça permet quand même de congeler les... ça permet de congeler les autres. Pendant ce temps-là, on est tranquille à gérer les autres, tu vois. On économise sur surcharge. On économise sur le... T'as l'abeille là. Les bundles. Les on disait qu'il faut une bonne flûte et un bâton de glace pour faire le malbatros. Enfin, un des deux en tout cas. Il faut quelque chose pour le contrôler. On n'a pas été sage ou quoi? On a de l'or et du charbon dans les bundles. Ah, quand même. On a eu un lava egg. Parce que j'ai pourtant le son au fond. Ah, attends. Non, c'est moi qui parle pas dans le micro. Ça doit être mieux là. Non, mais c'est... tu m'entends pas, alors attends. Pourquoi? Peut-être parce que je suis mal poli et que je parle par-dessus quelqu'un d'autre. Ah non, c'est bon. Ouais. Du coup, je disais que... je règle ça en même temps. Je disais qu'il faut contrôler le Malbatros quand il combat. Il faut que soit un bâton de glace, soit une bonne flûte. D'accord. Bah on a les deux hein, je pense. Ah oui, ah. Effectivement, ouais, il est juste là-bas, à côté. La fin de flûte reste plus utile, mais elle coûte plus cher. On l'a jamais fait legit, le Mosgoot. Est-ce qu'il est faisable legit ou on compte vraiment que sur les... Sur les grenouilles, ouais, si, il est faisable legit aussi. Bien géré, c'est un bon paratonnerre à la grenouille, donc c'est cool de le garder en vie. Wigfried, où es-tu? Merci. Je vais aller voir où en est mon canari. Ah oui. Ça devrait être bon, je pense. Fais gaffe parce qu'il meurt assez vite quand... Bah là, à mon avis, ils sont morts. On va voir, mais... Puis alors j'en avais un autre à un moment donné dans mon sac, mais du coup il s'est enfui puisque je suis morte et que j'avais pas pensé à le mettre dans mon... Mais non, mais c'est pas de froid que je suis en train de mourir, MDR. Je crois pas qu'on marche au mode, j'ai plus sûr quel bouton faut appuyer pour le... Est-ce qu'on en profiterait pas pour refaire le plein en glace aussi? Parce que je crois qu'on est plus si large que ça avant que tout fonde. On a pas besoin de glace là, on est... la base est totalement flingo. Non, mais pour en avoir au frigo en cas de besoin. Je sais pas. Si jamais d'un coup on veut faire. Par exemple, si pour la ferme à
À taupe, on va avoir besoin de glace, non? Non, non. Ah oui, si tu veux. Je vois comment ça marche, faire ma taupe. Non, non, si tu veux y mettre un flingot, oui, mais est-ce qu'on va vraiment refaire cette ferme à taupe? Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas que je sois... Tu pars des fétistes. Je trouve que tu pars des fétistes. Tu fais du mauvais esprit. What? Faut de ma vie que j'en fais pas. Je vais changer en fait. Ils sont beaux ces waiting streams quand même. Bah il est pas mort encore. Il a l'air beaucoup trop en forme. Allez salut. Si je le reprends dans mon sac, je le ralentis sur l'atterrissage, non? Ah, je regarde. Ouf. Je sais même pas. Pas exactement. Je vais avoir une flûte aussi. Oh là là, c'est mal famé ce marécage. Ah. Oh. Bonjour. Au revoir, pardon. Excusez-moi. C'est un peu la guerre par ici. Je vais devoir jouer le déco pour changer après, je peux pas jouer avec ça en fait. Oh la. Oh la violence. 50%, moi ça suffit. On va les laisser continuer à s'expliquer sans nous, hein. Aïe. Oh, hé, hein, ça va, oui. Il y a genre Beko Roko, il y a un mode qui bug. Bah voilà. Encore une fois, les méfaits des mods. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ouais. Alors, ce modèle est pratique pour. Si les mods n'étaient pas pratiques, personne les développerait. Évidemment qu'ils sont pratiques. C'est tout de même presque tout ce que je leur reproche. D'être beaucoup trop pratique. Bon, c'est la guerre au marécage, hein. Il y a des reines araignées, il y a des... Bug, c'est pas qu'il est mal paramétré, c'est qu'il bug. Oh, je vais l'enlever. C'est la guerre. Tac. Bon, moi je suis prêt pour le Malbatros. Moi, faut que je vide mon sac, mais théoriquement, je suis prête aussi. Hop, ça. J'ai ramené du papier. On va le mettre là. Ça, on va mettre là. Faut que je me soigne un peu. Je vais manger des... Salut, Tiflin. Perrogi. Salut, Tiflin. Bonsoir, bonsoir. Tu as loupé les annonces parmi lesquelles la présence... de Julien Dutel au 24h. Mais bon. On sait que c'est pas une vraie annonce. Vous le saviez déjà. Après, il avait dit qu'il essaierait de venir s'il était dispo. Ça veut dire qu'il est dispo. Oui, c'est trop bien. Bon, on n'a pas confirmé encore à quoi il participe parce que je lui ai proposé à peu près tous les créneaux. Là, je lui ai dit, ça te dit pas de faire un 24h avec moi? C'est à peu près ça. J'ai dit, à part les créneaux où je suis en interview... Il y a de la place partout pour lui. Oh là là, il y a des choux. Ah oui, genre la voisine un peu envahissante, la mousse. Ça va. Ouais. Je sais pas si elle a détruit le bâtiment, je crois pas. Les murs. Elle aime bien sa liberté. Bah, je remonte ma santé mentale et je suis prête à partir. Par contre, j'ai rien du tout. J'ai genre un casque. Et une lance. Ouais, il faut quand même pas mal de soins et tout. Il faudrait peut-être que je fasse le plan en nombre aussi, non? En soul, tu veux dire ou... En soul, ouais. En soul. Ça pourrait être bien, c'est sûr. Ouais. Alors. Déjà, j'ai plus besoin de la pierre thermale. Ensuite...
Ensuite, ça. Tuk. Le lava et egg, quelqu'un veut l'élever ou pas? Ah bah on en a déjà un. Abandonné. Bonne soirée à toi, Rumiel. Des bisous, bonne soirée. Bon courage pour demain. Alors, des armes. Des living amulettes, parce qu'on sait... On se sait. Quoi qu'on va être dans l'eau, la living amulette, à part si on meurt dessus... Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai une canne à pêche. Ah, si, dans le doute. Hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, il va falloir des cannes à pêche, ouais. Canne à pêche, du bois. Du bois, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, je sais pas s'il faudrait pas faire des... Comment... des appâts spéciaux. Des appâts. Je sais pas trop comment ça fonctionne avec le Mabatros. Des appâts. Oui, il parlait d'appâts, ouais. Tac. Alors, des casques. Tu peux faire la gourde en fait, le temps que. 2, 3, 4. 5. Je prends 5 casques, mais du coup, il n'y en a plus t'as après. T'as déjà cassé l'œuf des gouzes. Oui, à coup de marteau. Pour se faire électrocuter. Ah ouais. Ouais, ouais. Elle a les grenouilles. Mais est-ce que ça fait pop si les. Si on va sur le bateau, il n'y aura plus les grenouilles. Ça le fait pop, ouais. Ah bah, on dépose les grenouilles aux gouzes, non? En fait, là, il y a une grande chance que quand les œufs vont pop, ça va pop une autre mode goose. Donc c'est pas mal de la proc maintenant, ouais. La gueule de cette bestiole, quoi. Comment ça va se dire ? Ça a l'air plutôt efficace. Mais est-ce qu'on casse l'œuf, du coup ? Ah, là, les petits vont pas directement éclore. D'accord, ok. Elle est tellement mimes. C'est pas la plus mignonne des créatures de Don't Starve quand même. Hein. Ok, merci. Bon, c'est bon, j'ai assez de quoi faire. Bah, ce qui est pas mal, c'est que ça me permet de faire le plein. Bah, on attend la fin de la pluie de grenouille, peut-être. Wow. Ah ouais, il était sur le trapping carrément, j'avais pas vu. Ouais, juste ouais. À côté. Il y en a un sinon sur la droite aussi. On a trop sur le parking, quoi. Si c'est pas pratique d'aller sur celui-là, il y en a un autre sur la map que j'ai repéré pendant que j'étais en Woody. Alors, j'ai des casques, j'ai de l'armement. Par contre, j'ai rien à manger et j'ai pas de heal. Fait commencer quelques pirogues. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Je vais récupérer ce qu'il y a là. Je les emmène, vas-y. Alors, on fait quoi? On essaye celui sur le crafting avant? Bah, je pense, surtout s'il faut en tester plusieurs. À toi de nous dire. Bah, en fait, non, on va aller sur un et on va pêcher. On va faire pop. Ah, ouais. Pour pêcher, il faut quoi? Des bâtons, des graines? Ben, c'est ça que je disais, je sais pas trop s'il vaut pas mieux avoir des vrais appâts, mais je sais pas si on va. Aucune idée. Quoi. Pleine lune. Ah mais il y a encore de la pluie de grenouilles en fait là. On est en train d'en mettre dans notre maison. Il y a des grenouilles partout. On est envahi de grenouilles. Une fois que la pluie est finie. Ouais, surtout si on se bat. Nous informe qu'elle trouve le mime scouse. Ouais, j'ai vu. Mais je disais, je trouve que parmi les créatures de Don't Starve, c'est pas la plus mignonne quand même. Il y a plus mignon, je trouve. Du coup, ouais, j'ai rien à manger, moi. Mais sinon... J'emporte les meaty stew. Ouais, j'emporte les meaty stew. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de soins. Faut qu'on cuisine, quoi. Est-ce que, genre, on peut les emmener au cochon, les grenouilles? Ouais, mais on passe bien longtemps, les cochons. Ah bah les cochons ils sont... Ah oui bah non, ils sont... Si les grenouilles pop plus, c'est bon. Ils sont garous les cochons en plus. Oui tiens. Vous voulez faire un massacre de cochons garous avant qu'il fasse jour? On serait pas ça. Massacre par-ci, massacre par-là, tout va bien là. Ça va être compliqué. Ah je t'ai fait 6 pirogues, 17 pirogues, 5 pirogues.
Ça devrait aller comme ça. Faut finir avant le matin parce que sinon ils vont se retourner sur moi. Je sais pas, il faut combien de pirogues par personne pour... Pire, tu te barres avant le lever du jour. Ouais. Je dirais deux. Bah, je fais mon soin aussi. Je deux pour être... Ça devient bon, quoi. Aussi, hein, deux voire trois. Ah oui, donc ça va. Ouais, du coup, tu veux qu'on craft carrément la machine de... Machine pour les affaires. Ça, j'avoue, je connais pas trop. C'est rien, et après, éventuellement, je me disais peut-être que ça pourrait... autre servir de découverte de la pêche. Comment... Je sais pas trop comment ça marche. T'as fait la même que moi. T'as été ramasser le... Non, non, mais il y avait effectivement de la viande qui voulait... Ah, ok. On n'a pas une machine de pêche. Non, mais je crois qu'on a le patron, non? Vu que... On a fini toutes les quêtes le de l'autre. Elle peut développer directement une fois qu'elle a fini. Oh la galère. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tournée de piège là? Genre on les emmène. Genre hop, venez par là. Les emmener au piège. Ça coûte cher quand même la mulette Village, je trouve. Bah oui. Pas gratuit, mais après, ce que ça rapporte, c'est cool quoi. J'avais testé sur ma partie là, c'est trop galère en fait. Trop cher pour ce que c'est. J'ai des petits problèmes de santé ah mentale. Oui, c'est pour ça que j'avais pris Wanda. Oupsie. Attends, j'arrive. Tu veux farmer les ombres? Ouais. Ça fait trois fois que je surcharge en nombre en fait. Parce que les grenouilles crèvent. Beaucoup trop de grenouilles qui crèvent. Les abeilles sont stable toujours, quoi, on dirait. Oui, tant qu'elles sont toutes seules. Alors, ouais, mettons ça. Est-ce que tu connais sur le Stunlock quand même Kier, parce qu'ils ont fait des gros changements là récemment. Ouais. Ah, je savais pas. Les Gochongaros, vous avez réussi à les stun ou pas? Non, pas tous. Normalement, ouais, un peu comme avant, je trouve. Hein. Oui, à peu près comme avant. Okay. Sans que ça soit. J'ai pas spécialement ressenti de différence à ce niveau-là en tout cas. Alors, tac tac tac. Il faut la machine de pêche. Bah Kier, tu peux peut-être la crafter. Moi, j'ai vu qu'on avait pas mal de ressources. Alors c'est dans quoi? Searing et on cherche. On a dit pardon. Machine de magie. Pinching. Ouais, science. Pinching winch. Ah non. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ça non? Non. C'est dans quoi déjà? Ah non, pinching winch c'est le. C'est dans les structures je crois. Structure. Ça s'appelle comment? Ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Tackle réceptacle. Il me faut un os, du bois flotté et une. Hop, bois flotté, c'est bon. L'os, j'en ai reposé un tout à l'heure. Quand vous voyez des os, va falloir les ramasser parce qu'on commence à être short en os. Os, bois flotté et j'ai dit quoi? Une electrical doodad, y'en a pas d'avance? Du coup. Non. Hop. De l'or, s'il vous plaît, madame. Combien? Bah, deux pour faire une electrical doodad. S'il te plaît. Ils vendent des trucs à Spider pour avoir de l'or. Oups. L'exigence. Je te trouve très exigeant. Mon âme, quand même. Je veux dire, t'en as 21. C'est vrai. Mais elles comptent toutes pour moi. Ok, j'ai un tackle réceptacle. Je mets ça là, par exemple. Peut-être sur le bateau, non? Je sais pas. Si on a la place, je pense pas qu'on a la place. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, si. Craft qui se débloque, hein. Ah, je sais pas, justement. Je connais pas trop l'item. Allons-y. Juste à crafter des trucs.
Fishings, Wooden Ball, Hardened Sleep, Surprise Sunrise Spoon, Dusky Spoon, Night Flyer Spoon, ouais. Sunrise. Je me suis rapproché de mon micro trop. En fait, je suis en train de m'endormir et du coup, je me penche. Enfin, de m'endormir, de me pencher sur l'écran et du coup, je. Tu satures un tout petit peu. Je vais faire ça. Alors, j'ai un peu la flemme des champignons. Bah, il suffit d'aller faire un petit tour en. Un petit bâton. En Deciduous Biome, ça sera vite fait. Après, il y en a plusieurs. Hein. Je sais pas si celui-là est forcément indispensable. Voilà. Ils sont tous avec des champignons. Des pour le gros. Les deux premiers, ils sont avec du bois et du bois flotté. Après, t'as les trois autres, en fait, t'as deux séries de trois qui sont pour le jour, pour le crépuscule et un pour la nuit. T'as la version de base avec... Ah non, mais il y a des blueprints, en fait, pour ça. En fait, il faut montrer à Kier. Ah, ça, oui. Kier, c'est un blueprint. Vas-y, mets-le dedans. Effectivement, ouais. C'est pour ça qu'on est là-bas. De quoi on va Kier. Oui. Mets ça dedans, le petit panneau en bas. Azure Quill. Ah. C'est comme un... Donc on apprend le Azure Quill, et du coup ça se fait avec des plumes. Favored by more discerning angler. Donc ça c'est censé être plus efficace. Et ça se fait avec des plumes blanches. C'est un appât. Spécial, c'est... C'est vrai que c'est un appât. Chacun aura des bonus contre certains trucs et des malus contre d'autres en fait. Quill. Quill. Ah oui, du coup il y en a plein. Attendez, je les ajoute tous. Vas-y, donnez tous déjà, ce sera fait. Dawn Quill, ça se fait avec une feuille de mousse. Et apparemment celui-là, il le connaît déjà. Comment ça, pas de lumière? Ça va. J'ai ma couronne. La couronne ramène plus de lumière que le tamo ou pas? Plus de santé mentale que le tamo, tu m'as dit? C'est 10 alors que le tamo, c'est 6 et quelques. Ok. Donc je vais garder la couronne. Rappelez s'il y a un endroit où on stockait les culs de cochon? Oui, devant le four. Ouais. Il y en a 31. À côté, ouais, à côté du... D'ailleurs, il y avait... Ah, et ça, je voulais le faire pour l'instant, j'ai plus besoin. Oh, l'échange, je l'ai fait plus tant que je suis plus en mode. Ça démissionne. On a forcément besoin de ça. On a pas forcément besoin de légumes, en fait. Oui, non, les deux premiers trucs, c'est pas des appâts, c'est des flotteurs. Ça, on peut en faire. Vers un stack. C'est quoi la différence entre un flotteur et un appât? On met les deux sur la canne à pêche? Ouais, tu dois mettre les deux sur la canne à pêche. Le flotteur, je crois qu'il permet de lancer plus loin. Ok. Donc, on doit crafter un flotteur et un appât. Et on peut aussi mettre des graines, des. Bah, faisons bien les choses. Merci. Paco, CVT. CVT, c'est le raccourci de quelque chose, c'est pas capitaine. Ça va bien, merci. Capitaine, c'est CPT. Convenante. En tout cas, bienvenue chez moi. Merci pour ton drop de cœur. J'attends qu'il fasse jour et on va aller faire des appâts pour tuer le Malbatros. Vilain que nous sommes. Alors, du coup, on fait un flotteur. Wooden ball ou hardened. More stylish. Take on the classic boober. Du coup, on va le faire comme ça. J'imagine que le. En bois flotté doit être mieux, ouais. Ce que je me dis. Paf. Le bruit. Ce bruit, mon dieu. Ah oui, mais du coup, ça s'utilise à chaque fois, genre. Faut en faire plein. En fait, ça s'utilise quand tu rates la pêche. Mm-hmm. Donc ça va s'utiliser beaucoup. Je vais faire les 12. pas forcément, mais bon, ouais, hésite pas à en faire un petit pack, quoi. Moi je l'ai fait en bois, hein, je m'embête pas. Je pense que ça changera pas énorme. Le bois flotté, c'est quand même un peu plus relou à farm. On a tous des canapés. Toujours des champignons ou pas pour faire les flotteurs? Ah bah déjà, tu peux pas tous les stacker dans ta canne à pêche, c'est chiant. Ouais, non, c'est un par un par contre. Il faut toujours des champignons pour faire les appâts ou pas? Bah du coup, ouais. Ou alors des plumes. Plumes blanches, plumes de mousse, mais je pense que les plumes de mousse, on va les garder plutôt pour les thunder. Et champignons. Mais plumes blanches, je pense qu'on en a pas mal. Non, ouais, on peut... Non?
On en avait on pas farmé. On peut utiliser les plumes de mousse. Ok. On a 11 plumes blanches. Mousse, mais je crois que c'est pas efficace. On n'a pas plutôt le noir là, parce que les jet feasers, ça, on en a la masse par contre. Là, j'en vois un stack de 40. Non, on l'a pas. Après, peut-être qu'on peut aller l'acheter, genre. Enfin, en tout cas, il était pas là dans les papiers. C'est bien les petites notes, c'est pas les trucs roulés. Ouais, ouais. Ouais. Ça, normalement, c'est tu les obtiens quand tu tues les oiseaux, en fait. Ça, c'est pas. Ah, bah non. Normalement, quand tu farmes des trucs, quand tu farmes des campus bags avec Wickerbottom, tu te fais plein de plumes et plein de. Bah, en plus, les plumes blanches, on se les serait fait cet hiver si on avait farmé. Mais bon, on n'aurait pas eu le temps, franchement, on a fait campus et tout, on a été bien occupés. Ouais, ouais, non, non, ça, c'est pas. Voilà, y'a plus de plumes blanches, j'ai fait que des appâts avec. Ok, nickel. Tu t'es canapèche, tu sais, s'il y en a d'autres? Ah oui, y'en a une là. Je sais pas, j'ai pris celle que j'ai trouvée. J'ai peut-être. Et du coup, effectivement, on peut pas prototyper d'appât si on n'est pas à côté. C'est... Les plumes blanches, ça servait pour un glitch avant, mais maintenant ça a été fixé. Mm-hmm. Ça ne sert plus à rien en fait. Si, ça sert pour les blow dart. Les plumes blanches, c'est les blow dart, c'est les fléchettes les plus efficaces. Salut Nualan, bienvenue à toi. Bonjour Nualan, bienvenue sur le chat. Bah, je crois que c'est les fléchettes électriques. Les plus efficaces. Ah, quoi que non, ouais, par exemple, c'est peut-être blow dart. Ouais, c'est blow dart. Oulala, on croule sous les viandes. Les bleus, je sais pas si elle est pas. Les bleus électriques, ils font mal aussi, non? Je sais pas, les blizzards, j'ai jamais utilisé 150, les blizzards, ça fait 100 dégâts. Donc les blizzards électriques, c'est 150, mais ça se cumule pas avec le plat de Warly. Ah merde, débile que En fait, soit tu utilises des blizzards, ça je suis pas sûr à 100%. Merci pour le follow, et bah a priori tout le monde va bien ce soir. Oui, on va bien, oui. Merci. Je suis juste en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ta chèvre encore? Bah je vais looter. Évidemment. Oula, 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 mais ils sont vénères les poussins. Tu veux mettre combien d'épaisseur de mur là chez ta chèvre? Ah, comme la gousse est morte. Ouais. C'est bon, elle a pas besoin de plus, c'est que elle était. J'avais mal fait les murs au départ. Tu sais pas compter. Si, je sais compter. Allez, retourne voir la rediff et on verra si tu sais compter. Bon, cette fois-ci, je savais pas compter. Il y a une corne, mais du coup, je vais pas la prendre parce que j'étais partie chercher des champis. Je me suis rappelé après qu'il y avait une chèvre sur le chemin. Je vais faire quelques appâts à champi. C'est un petit peu la partie des spécialistes, Nualan. 7 jours, c'est déjà très bien sur Don't Starve. 7 jours, c'est un bon début sur Don't Starve. Sur Don't Starve, je dis toujours aux gens qui débutent de commencer par découvrir le jeu déjà à la dure, parce que c'est quand même ce qui est drôle. Le côté frustrant de mourir pour rien, il y a un petit côté... Du mental important, je trouve. Mais quand t'en as marre, tu peux aller regarder des tutos. Mais du coup, la première mort, en général, la première nuit, si tu connais pas du tout le jeu. Et déjà, si tu résistes à la première mort de la première nuit, t'as déjà win le game. Hein, parce que si tu connais pas du tout le jeu et que tu arrives à ne pas te faire choper par la nuit, c'est plutôt bien joué. Et après, c'est... En général, je dis autour du jour 7, 8, 9, parce qu'il y a les loups. Enfin, les chiens, la première vague de chiens. Ensuite, vers le jour 13-15, tu commences à prendre la confiance, t'es serein, t'attaques des trucs que tu devrais pas attaquer. Et donc, tu refais une mort en général à ce niveau-là. Et après, jour 21, avec l'arrivée de l'hiver, ça peut. Le rollback et. 21-23, avec l'arrivée de l'hiver, c'est chaud. Et une fois que t'as passé l'hiver, en vrai. Bon, tu meurs une fois par saison, le temps de comprendre comment ça fonctionne, mais en général, t'as eu le. Les chiens t'ont eu, tu vois. Comme tu vois. C'est une histoire banalement classique, mon pauvre Nualan. Ou ma pauvre Nualan, je ne sais pas. Malheureusement. Mais en vrai, après, les chiens sont plus un vrai problème. Même là, tu vois, on en est jour 250 et du coup, on a pas mal de chiens par vague. On a mis un petit peu de temps à faire de la vraie défense contre ça parce qu'au début, on les prenait un peu à la légère. Quand ils ont commencé à être un peu trop violents, ça roule, Nialan. Quand ils ont commencé à être un peu trop violents, on s'est dit, on va peut-être faire quelque chose pour pouvoir les gérer sans se faire casser la gueule.